Maintenant, on dit partager. Et bien maintenant, bon. Les gens que je suis en balade avec eux, je ne les ajoute pas. J'ai mal fait pour. I've always had such tremendous respect for my dad for taking this leap. That's when he created Leonardo's Pizza. So from 1990. I say the first pizza I ever created. Good. So he's 95. Partager comme ça. Ah, je commence à me dire ça. Waouh, Enza là, il me regarde. Bonjour, grand. Bonjour, bonjour. Yeah. Bonjour. Bonjour mon frère. Venez en parler un peu de Mossi Dramane Ouattara. Voilà, attendez, je vais chercher quelque chose pour bloquer ma tablette. Ok. Je vais chercher quelque chose un peu fort. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est votre fille Leila Bamba. Aïna Amena. Alors, on va insulter un peu Mossi Dramane Ouattara. Sensibiliser un peu nos parents, toujours nos parents du Nord. La fois passée, je demande mes excuses. La fois passée, je devrais faire un direct. Mais direct, c'est coupé. J'ai demandé que je vais faire cette directe là la nuit, l'heure de New York, mais je n'ai pas pu. Je vous demande pardon. Je n'ai pas pu parce que j'ai réfléchi que je ne vais plus prévenir mes directs. Si je préviens, mes directs vont toujours couper. Aïna amina kuma la san Dramane Ouattara kan doni. Mm-hmm.
Et aussi, on va parler un peu aussi de Tchekouni. Mon premier tuteur sur les réseaux sociaux, Tchekouni, qui a changé de camp. Anne-Soroma, Anne-Téré. Ivoirion, Anne-Soroma, Anne-Téré. Djulao, tous ceux qui disent go, je parle de vous. Je viens vous faire cette directe-là par rapport toujours mes parents de la Côte d'Ivoire. J'ai appris des choses sur les réseaux sociaux. J'ai appris des choses aussi que il n'aura pas Maouridi le 29 octobre. Et ça me dérange beaucoup. Même quand je dors, je pense à ça. Donc, ma vidéo que kunyole. Et puis après ça, amena jigi, amena essaye pour parler un peu aussi de Tchekouni. Je ne parle pas de Soro Guillaume cette fois-ci. Là. Il est cool aussi, mais il fait partie de Tchekouni. Mais cette fois-ci, là, c'est mon premier tuteur sur les réseaux sociaux. Qui se trouve à Abidjan, Medina. Ça dit, Nebena, Ivoirien Djulao, Nere Malomina, mi foi, n'y a pas de Tchekouni. C'est pas vrai. Il va falloir que Alassane Draman Ouattara ka barale ka nyanyini. Ni moi qui ko nyini ti nyanyini. La wakubaru. Ni moi qui ko nyini ngui bi nyanyini. C'est deux choses. Il en est valé. Musique fort. Ma mena réseaux sociaux là, ma mena, comment on appelle, ma mena, ma sebeni et la yorobe, ko Maouridi tena kei, que tout Maouridi va se passer en Côte d'Ivoire. Faut pas que quelqu'un va voyager pour aller au village, pour aller faire Maouridi, à cause de lui, son élection. Ma nyinganao, Alassane Alaya, Ivoirien. Donc, Alassane est devenu Ivoirien Djulao. Mes parents, Wodjeneka, Senifo, ceux qui sont musulmans. Mes parents du Nord, Wodjeneka, Koyara, Mauka, Jimini. Dans Alassane Kela, Alouya Allah et 615, jusqu'à il décide, à cause de lui, c'est-à-dire à cause de lui, son libido présidentiel, Alani allait à voter comment? Parce que, a quand qu'a voté aller donc à la santé fait à l'ouïeta Maouridi que village qu'on a mais ne ko à l'ouïe du lao yere ou mouira le ba kuna avec fait qu'à à tout la la yere du la yere ben n'est bon la nere la walaï non du la yere ben n'est bon la nere la nere ben a boussouman tchè dans l'état si c'est un casque quand une jambe yere ma et puis c'est fini quoi. Ça dit, Aloube Moune, même nos cocos à Matara école là. Donc, Alassane Bitolaman, qu'elle a allé. Alassane va faire Aloube Nienem. Ko Aloube Kanatara, Maouridi Kalola, octobre, Aloube Kanatara, Maouridi, Karanke, village là. Aloube Sigi, Ale Kama. Ni Sanna, Akanatara, Maouridi, Karanke, village là. Et puis, Aloube Koko, Tigi, Sera Mandolé. Ngo aya la san kon ata ko fle di nyama lo nin kan kon ala san malu u betu mne ka kaya jokono le faut partir là moi je t'ai dit quand je fais mes directs est ok donc koni donc alou be ban kata alata ke village la alou be ban kata alata ke village la ko parce que Alassane ko kwa kana ta village la kata fetike parce que na ta la village la kata fetike en atina se kana ben aller à voter ma octobre caro tretan kelim
atina se kana be ama me ama fola nyene wati be kwa la tam de srama yi ce n'est pas un musulman ni srama le bala sana ala san boke ni srama le bala sana yi aba nyini nge aba fo nyene aba fo nyene kwa kana taka mauridi serika. Je vous demande. Nama fara nama boala sanko. Aburobe ka karaide nyamoro. Nama boala sanko. Nete ala sanko. Nete moro shiko. Nebe nya jamana. Nya jamana e nya chuyamna. Voilà. Nya jamana e nanana kana nya jamana don fran fran nyoko na chuyamna. Nya jamana e benkele maka nye choko ya mna, c'est ce que moi je veux. Ne bo le fole kama wati be msiki ni be réseaux sociaux kan. Qui veut pas voir son pays joli? Même si tu vis ailleurs. Qui veut pas voir son pays dans la paix? Même si tu vis ailleurs. Otma anyana ko anou mena an shike kere malia. Hein? Anyana ko anou mena an shike kere malia. Donc, ça dit Côte d'Ivoire était Srama Djamana yeke. Srama Djamana te. Parce que, ni Srama Djamana lebe, à la santé, ça dit Srama ou Yanyamoro, je ne sais pas, il s'appelle Traoré, quelque chose comme ça là, je ne sais pas. À la santé, moi aussi, quand tu as fait mal là, quand tu as fait l'imam, comment on appelle, en Karamoro, Mamoutou Dikoye, quand Akana Sonka. Tchakuruni, Sorogium reçoit. Moi je l'appelle Tchakuruni. Quoi qu'on a son cas Tchakuruni reçoit. Quoi Tchakuruni te sera maï. Mais il est mis, il est l'imami. Si c'est Traoré ou bien si c'est quoi. Alassane qui l'a mis, il est chinié. Toi qui Alassane t'a envoyé, toi-même tu es musulman. Toi-même d'abord, le geste que tu as fait, un musulman ne fait pas. Voilà. Un musulman ne fait pas. Jusqu'à. Avec Bola. Aben asiki kotuguni ko moko kana taka mauridi la village la be wuri kata village la mauridi. Moi je vous dis boyana ka mono ka segela ka mon village de segela ayen la menyama ayen la nyama. Je suis de segela comme vous aden dans le bene ayen ko ya aden dans le bene ayen ta ya mauridi la. Aïe taraya mauridi la. Allez-y faire votre ma votre aïe taraya mauridi la village la. Alassane te se ka foi le ka la. Alassane ma ko sala ka ba France ou erete Alassane ko tuni foi foi. O ata ko ko tuni Alassane me rom na ta ko ere lo ata nyalo. Donc me fe ka lu ta en otage. Aya ko ya da ya se la ka den do le be ko manana e ne le ba fola e. Abeuri aïe ta mangono mauridi la. Aïta d'abakara mauridi la. Aïta korogo mauridi la. Aïta buandugu. Aïta mauridi la. Aïta kani. Aïta kani. Ceux qui m'insultent en disant que je ne suis pas ivoirien. Moi je suis ivoirien 100%. 100%. Je suis ivoirien 100%. Mon père ivoirien. Ma mère ivoirienne. Nyanga minita la. Voilà. Nyanga minita la. Ce sont mes grands frères, ce sont mes frères et soeurs, mes tontons qui ont travaillé à la, qui ont travaillé pour ce Moïse Draman Ouattara. Voilà. Je suis ivoirien 100%. Donc ayako a demso le bekumana nae. Voilà. Djougou flatte Côte d'Ivoire la na la santé. Tiens nana ka kade séjour bla. Quand nous ni mora ou franyona. A quoi y a mon rôle nous, y'a nous le bécard de ce jour, à nous le tu bécard de ce jour, ça là. Hein? Au bon et quoi, tu hein? Anana guerre, oui, comme on fera fraca, djanfa, oui, nord Cameroun, on ignorantie. L'on ben y'a vidéo qu'on a mot, ma quelle est faux. N'a quoi trop de men que moi, je vais toujours vous répéter. Mena, foi, n'y en a wati bé. Demion salam nord l'année. Mouamion salam boake. Donc, au loup taïa mouya, au loup ivoirien ya. Les gens qui sont morts à Boaké, hein? Lundi nuit, 20-21, hein? L'attaque des Mayakoro, ceux qui sont tombés, ce n'est pas des jeunes Ivoiriens, ce n'est pas des jeunes du Nord. Hein? Les Adams, hein, les Cass,
les, comment, les Bakis, les colons, les Turcs, ceux qui sont tombés là. Hein? Ceux qui sont tombés là. Anya Dula Cameroun dort le Massassa. Hein? Fofio Kwaku a fait chanier à Korogo, rempli les jeunes Koyara dedans. C'est pas vos enfants, il n'y avait pas vos enfants dedans. Hein? Jusqu'à aujourd'hui, vous êtes derrière Alassane, vous les gens de Séguéla. Ibe n'est pas vos enfants. Hein? Qu'est-ce que Ibe n'a pas fait pour vous, Amadou Soumaoro? Toi, tu es vilain, on dirait chien qui l'a, qui les caniches vilains qui se trouvent chez les Américains ici là. Hein? Tu es vilain, qu'est-ce que Ibe n'a pas fait pour vous? Il vous a écouté. Olu Benintola Alassane Kola, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, vous. Ali Briaba Alassane Ko. Mais à toi là, Amadou Soumaoro, bon Koulibaly est parti. Il reste toi. Alassane n'est qu'à bon Koulibaly Farao. Allez les Kabon Koulibaly Farao, parce qu'à Kaya est alors. À Kapousse Kakaya Saragaye. Amadou Soumaoro, il est à l'Oubessigi. Ama Fako Segelaba Alou le Bourroa. Donc à cause de vous. Ça dit Dougou, voilà, tu sais que c'est que la Dougou, nous qui sommes à côté de Séguéla là. Dendo, tu sais que c'est que nous sommes à côté de Séguéla là. Quand on est avec la Côte d'Ivoire, nous sommes à côté de Séguéla là. Et quand on est là, vous avez fait ça encore à eBay. Amadou Soumaoro, asseyez-vous, vous allez attendre votre sort. Asseyez-vous bien, amenez-vous à sort. Les bandits idiots comme ça. Comment vous pouvez avancer? Mon soutien n'en a qu'un mon ben ami. Vous êtes manipulé. Mon soutien n'en a qu'un ben mélangé. Ali Biratu Nibako. Alassane Ouattara n'est pas ivoirien. Ivoirien, t'es à quoi t'es ivoirien? N'y a t'es ivoirien. Je sais de quoi je parle. C'est même pas sa maman qui est Nabintou Sissé. Donc, au cafritier, il mange pas. Il boit. À tes fois d'orola, il a toutes sortes de bonnes qualités de vin chez lui là-bas. Donc lui va venir vous empêcher pour aller faire maouridi dans votre village. Vous les musulmans, vous qui dites que vous êtes des dignes musulmans. Il va vous empêcher d'aller fêter à Séguéla. Il va vous empêcher. Il va vous empêcher plutôt. Il a dit fêter. Enfin. Amen à Nyantara Durakana, parce que français, comme un roman. Amen à un péché. Aïe bankatara serike bonoukou. Aïe bankatara maouridi fetike bonoukou. Aïe bankatara ke korogo. Aïe bankatara ke norla. Aïe bankatara ke pon. Est-ce que c'est vraiment le beau ya? Hein? Alors vous voyez, hein? C'est parado de. Vous les enfants, vous les nsigifè là. Vous les nsigifè. Vous les enfants que vos parents sont venus ont dansé. On a dit à danser. Nos grands-parents ont dit à danser à vos parents là. Vous à nous là. Nous, on est ivoiriens de mer, de paix et de terre. Vous, vous êtes ivoiriens de terre parce que vous êtes nés en Côte d'Ivoire. Vous les dansez. C'est vous, votre marché. Alassane vient pour gâter votre marché. Wallahi bilay. Alassane vient pour gâter votre marché. Parce que. Moi, le fois là, il y a des frites au Kodjougouye. Ni frites là, avec Kourana là, avec Chrétien, il y a livre là. Ko frites au Kodjougouye. Ni frites là, il se kotchougou ya lo, quoi. Tu vois. Ni frites là, il se kotchougou ya lo. Mais, vous les enfants de danser, allez vous frites là. Alassane nana kana, allez vous manipuler. A frites là, allez bien te faire casser quoi. Mais nan ma se quoi. Nan tige lala Alassane kan. Nan Alassane minana. Akalo. Mikele babola. Alassane be sren yomi. Ala wakparu. Mikele babola. Babo yon mouromi ye. Babo ninka fasa. Mikele babola. Onye on tambe ke babola. Et puis babo yon en place. Mais ala okumuruni. Non lala Alassane kan. Je te jure. Je vous dis. Okumuruni. Avec kringa benka sa. Tu vois. Donc c'est pour dire que tchèbe, tchèkebe. Alassane te tchè. Tchèkele. Moi, mais reste cela quand il y a Fantagbe satisfait. Depuis Ouati Djana.
Ahmed Barayoro nous le fanta baya kurusi bola. Alors ouvert là au tigre la cour est ramalé. Ndabe na seko chama mambi. Hein? Alors ouvert là la cour est ramalé. Hein? Aya garde qu'on rapproche avec mes nous demain c'est ni mieux avec baraka naé. Alors le fanta baya benake. Alors le bola na musoe. Hein? Olu le bebola na muso e. Ale era fana ni bebola ni tchede miseno e. Ils assassinent nos enfants. Pédophile ne. Abe fe ka PDA légalisé. Est-ce que obe sera maya la? Alassane be fe ka PDA. Obe le beye. Alassane be fe. Ama e PDA. Je n'ai rien avec les homos. Je n'ai pas de problème avec les homosexuels. Même moi j'ai beaucoup d'amis de, qui sont homosexuels. Je n'ai pas de problème avec les homosexuels. Donc, il faut que je précise ça. Mais, je dis ça à mes parents pour qu'ils sachent qui est Alassane. Voilà. Pour qu'ils sachent qui est Alassane. Voilà. Pour qu'ils puissent savoir qui est Alassane. Moi, je m'en fous. Je ne regarde même pas vos injures là. I don't care. Pour qu'ils puissent savoir qui est Alassane. C'est un pédophile. Pédophile ne veut pas dire que tu es PDD. Les PD même là. C'est eux, ils protègent plus les enfants même que les grandes personnes. Que les grandes personnes. Donc, pédophile, c'est ceux qui couchent avec les petits enfants, les petits bébés. Alassane fait partie. Nato l'homme au foyer. Ça, c'est son fantasme. Il y a fantasie le voyer. Demi obé tout na Côte d'Ivoire qu'on a. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas sain. De un, il boit. Il mange viande de porc. Il fait tout ce que les musulmans disent que ce n'est pas bon. Alassane fait ça. Et puis vous vous dites que Alassane avait ça. Alassane quoi. Mais est-ce que Aloua Koumourobeya, mes parents Koyaga Maouka, est-ce que votre tête est là? Mes parents du Nord, est-ce que votre tête est là? Les enfants de danser, est-ce que vous êtes normal? Est-ce que vous êtes donc normal dans cette affaire d'Alassane? Et puis j'écoute les enfants, il y a des enfants de danse qui sont parmi nous. Je regarde les réseaux sociaux, il y a d'autres qui sont. Nous, on ne connaît rien. Tout ce qu'on connaît, c'est Prado. C'est Ado. Prado là, c'est Amiral Blendé qui est venu à ESA. Allez-y demander à Amiral Blendé qui est Prado. Quand il disait Prado, à l'époque là, il est mon ami maintenant, on n'a pas de problème, hein. On a pas de problème. Quand il disait Prado, je lui disais, j'ai dit ton Prado là. Un jour, tu vas attaquer ton Prado même. Mais Dieu merci, comme c'est un enfant béni, tu sais, un enfant béni, il ne se perd jamais. Où. Quand j'ai commencé mon combat sur les réseaux sociaux, tous ceux qui m'ont attaqué là, qu'ils étaient les enfants bénis là, et tous, ils sont revenus à la raison. Ils sont revenus à la raison. Donc tous ceux qui m'insultent ici là, un jour, vous tous, vous allez regretter. Vous tous, vous allez regretter. Ça a trouvé qu'on a mis Brassi à la Sandra Man Ouattara. Ça a trouvé même qu'on a mis Brassi lui et puis il a piqué crise maintenant, il est tombé. Mm-hmm. Et puis lui, il ne va pas aller à la CPI. Hein? Non, 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 non. Il ne va même pas aller à la CPI. Écoute-vous. C'est à la Maca. C'est à la Maca, il va partir. Et puis les prisonniers vont le benzer. C'est pas baiser, baiser, même pas ses narines. Mm-hmm. Wallahi. Hey Allah. Vous jouez à le feu. Ralliez-vous vite. Comme vous les pro-ado, vous dites à nous les gens qui ne sont pas pro-ado, vous dites on n'a qu'à se rallier. Moi je viens aujourd'hui là. Wallahi Bilal, moi je viens aujourd'hui là. Pour vous dire, ralliez-vous. Hey Allah. Réfléchissez un peu, on vous donne sardine. Avec le pain. Koutoubou ça qui dit Dimi Benfa. Ça dit qu'à Djoula au Caire. Moi-même, j'ai honte même pour dire que je suis Djoula même. Koutoubou. Voilà. Ça dit Alassane a bafoué la dignité des parents du Nord. Alassane Kanya, Horoyan Nyamanoron, Kambla Firila. Ça dit quand. Comment on appelle? Quand Soutien, elle est quoi? Et puis en plus, quand Ouattara la ka oyeren, qu'on yama non quoi. Quand tu attends Ouattara même là seulement là, de nos jours là même, même quand quelqu'un, tu crois quelqu'un, la personne qui dit, il est Ouattara même là. Ça devient le nom même. Ça dit, moi-même j'ai un côté Ouattara.
Toutes les enfants de ma maman là sont Ouattara. Toutes les enfants de ma maman sont Ouattara. C'est moi, avec mes soeurs, qui ne sont pas Ouattara, qui sont Bamba. Mais je te jure que Alassane Kake, non. Non. Ça dit ni Ereka Ouattara là, quand tu as quand même le nom Ouattara là même là, tout est neuf déjà d'abord. Tout est neuf déjà même d'abord. D'ici quand la personne va. Ça dit Alassane a fait en sorte que. Quand tu attends un nom de famille même, Ouattara là même, tu es énervé toi-même. Tu es énervé, voilà, tu es énervé. Ça fait même que moi, je n'ai même plus demandé les noms de famille des Ivoiriens même. De peur que je vais entendre Ouattara et puis je serai découragé de la personne. Alassane Nana Kana a torotien, kanormoro torotien, kanormoro nyami nyona, kake, on ankela si a djougou dans les Côte d'Ivoire bitolamana quoi. Wallahi. De un, Boussoumano Touba Amara la Ouattimina. On était les plus, le peuple le plus respectueux. Oufoué nous est respectueux. Nous est respecté jusqu'à... Même si... Oufoué nous est respecté. Bédié nous est respecté. Il manque non. Bédié, c'est Bédié qui a envoyé l'ivoirité. Mais il a envoyé l'ivoirité, toi, Alassane Dramane Ouattara, parce qu'il te suspectait. Il te suspectait. Voilà pourquoi il a envoyé l'ivoirité. Voilà pourquoi il a envoyé l'ivoirité. Chanier de Yopougon, c'est toi Dramane Ouattara. Ça dit, il a tout manigancé pour être au pouvoir. Tu as fait Chanier de Yopougon. Tu as mis ça sur Bagbo. Hein? Bagbo courait dans les rues pour réclamer son pouvoir. Lui, il a quel temps? À Egei. Je pense que c'est à Egei ou un truc comme ça. Hein? Je ne me rappelle pas. J'étais vraiment très petite, donc je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas. C'est mes parents qui m'expliquent. Bagbo courait dans les rues pour réclamer son pouvoir dans la main de Guéhi. Quel temps lui va avoir et puis pour donner des ordres. Pour donner des ordres. Pour aller tuer les gens. Pour aller tuer les musulmans, les gens du Nord, les Djoula. Tout ça là, c'était toi, Alassane Dramane Ouattara. À cette époque-là, je pense que, comme on appelle, c'était... un nordiste même qui était, comment on appelle, c'était un nordiste même qui était la tête de l'armée, non, à cette époque-là. Si c'est pas toi, Alassane Dramane Ouattara, t'es manigance. Tu as manipulé les gens. Tu as fait tout pour être là où tu es. Maintenant, tout le monde voit ton vrai visage. Tout le monde a vu. Qui tu es? Ben qu'à lui mon ressouya mié. Il qu'a chanié que qu'à non djula au camp. Il qu'a chanié que qu'à non qu'au bago le tala kata djula au fra. Alors que c'est toi. Alassane ne qu'a chanié que yo pour en chanié. Mon chite na Alassane Dramane Ouattara te. Aka abobo. Garde abobo. Gorobara misse maman nous. Abobo gorobara misse maman les petits bandits à cette époque là. Les petits, enfin, gros bras, tu vois, les gros bras de Abobo là, avec Adjamé là, ce sont eux qui sont allés faire ça. C'est eux-mêmes qui sont allés faire ça. Ils ont trafiqué, aller tuer les jeunes, les Djoula, et puis mettre ça si Babo. Mais Alassane, je te jure qu'ici, tu vas retrouver chez Dieu devant toi là-bas. Même la tombe de Nabintou Sissé, ça m'arrête là, la femme de son papa là. Ce n'est pas sa maman de... Voilà, il venait avec le Coran, j'ai même ma mère dessus. Nabintou Sissé n'a pas couché Alassane avec ses frères là. Sa mère est bouquée, c'est sa mère jalouse, a versé l'eau chaude. L'eau chaude, si Nabintou Sissé, parce qu'elle était très belle. Et le Burkinabé, le monsieur Dramane, son papa Dramane était tellement amoureuse de Nabintou Sissé. Donc, la femme Burkinabé là est devenue jaloux, a versé l'eau chaude sur Nabintou Sissé pour gâter sa beauté.
C'est la maman d'Alassane Dramani Ouattara qui a fait ça. Donc, le vieux aussi s'est fâché. Son papa s'est fâché. Son papa l'a chassé avec tous ses 5 enfants. Ils sont partis au Burkina, dans Manimako. Donc, Alassane a juré que lui va venir venger. C'est vengeance de sa maman burkinabé là que Alassane l'a fait subir à les Ivoiriens. Vous n'êtes pas au courant. Vous n'êtes pas au courant. Nabintou Sissé, quand elle vivait là, il passe son temps à mentir, il mentait. Il utilisait Nabintou Sissé. Comme elle était vieille, elle pouvait faire quoi? C'était une vieille qui était malade tout le temps. Donc, il ne s'occupait même pas. C'est Worokia qui faisait sa prostitution pour s'occuper de sa propre maman. C'est Worokia qui faisait sa prostitution. Worokia se prostituait à Blaise Compaoré. Même tous les présidents maliens là. Sa petite soeur Worokia. Worokia Ouattara. Moi, mon grand frère était le garde-corps rapproché de Worokia Ouattara. Voilà. Garde-corps, c'est lui qui conduisait Worokia partout. Je n'ai pas dit son nom ici. C'est lui qui conduisait. Non, mon Dieu. Je t'ai dit, quand je fais mes réseaux sociaux, ne sois pas derrière moi. Rentre dedans là-bas. Allez là-bas. Désolée. C'est mon fils. Je n'aime pas quand mes enfants sortent dans mes directs. Donc, Alassane n'est pas ivoirien aujourd'hui. Alassane n'est pas ivoirien demain. Alassane est ivoirien. Donc, je ne comprends même pas pourquoi nos parents ou Odieneka, ils sont collés seulement. Alassane vient de chez nous. Sa maman vient de chez nous. Vous êtes là, fait la même là. L'âme de la maman Nabintou Sissé, la même là. Où elle est la même là? Je te jure que à Tessounorla, sous la terre, parce que elle est partie à un mensonge dans son corps, dans son ventre. Et en plus, encore mensonge là, elle a tué les Ivoiriens, les innocents Ivoiriens. Donc ça fait que je demande à mes parents au Djeneka. Ça dit. Pour moi, quoi, je pense que Afiri la foka Tchedjougouya. Ou bien, si vous êtes guinéen, je ne sais pas. Parce que je ne sais pas. Parce qu'il paraît qu'à l'époque, c'est mes parents qui m'expliquent. Sinon, je ne suis pas allé à l'école pour lire, pour faire toutes ces recherches. Il paraît qu'à l'époque, Odjene n'était pas beaucoup. Donc, quand la Côte d'Ivoire prenait son indépendance, et ils ont ajouté quelques communauté guinéenne. C'est ce qui fait que il y a toujours Djabi chez nous ici et puis il y a Djabi là-bas. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas Djabi ivoirien. Voilà. Donc il paraît que Oufoué a rajouté des Wodjeneka. Des Laguineka. Ils ont pris des Laguineka pour les mettre pour les mettre à Wodjene. Pour leur donner la nationalité. Pour qu'on soit un peu beaucoup. Parce qu'à l'époque, on n'était pas beaucoup. Voilà. Bon, ça. Je peux dire, c'est des Ivoiriens parce que l'indépendance les a trouvés chez nous là-bas. Donc, mais je ne comprends pas pourquoi vous êtes collés sur les mensonges en disant que Nabintou Sissé est la maman de Alassane Dramani Ouattara. Nabintou Sissé n'est pas sa maman. Nabintou Sissé n'est pas sa maman. Nabintou Sissé n'est pas sa maman. Alassane, son père est burkinabé. Sa mère est burkinabé. Même quoi là? Son papa avait marié une autre femme, qui, la maman de Gaoussou Ouattara, qui est de Kpon. Kpon, c'est du côté de ma maman là-bas. Dimini, Kpon, Bonouka, on est même chose, ils parlent la même langue. Ils parlent la même langue. C'est pour cela que je dis, ma mère est ivoirienne, mon père est ivoirien. Donc, je sais d'où je viens et je sais d'où je vais aussi, où je m'en vais aussi. Donc, Nabintou Sissé n'est pas la mère de Alassane Dramani Ouattara. Ama woro telekele. Ama konanta telekele. C'est parce que c'est l'enfant à son fils. Et quand Oufoué lui est fait ramener au pays, Alassane a expliqué l'histoire. Et Oufoué est parti voir Nabintou Sissé pour arranger tout ça là. Avec Nabintou Sissé. Pour que, en disant que
parce qu'il faut chercher les intellectuels pour travailler au pays. C'est ce que mes parents m'ont dit. Et moi, je sais que c'est vrai. À l'époque. Donc, voilà comment moi aussi, Draman Ouattara, qui est venu ici à Philadelphie avec le passeport burkinabé, se retrouve chez nous. Maintenant, il ne voit rien. A changé de maman maintenant, il ne parle plus de sa maman burkinabé là. Il la cache jusqu'à sa mort. Lui et puis ses 5 frères. Donc, voici l'histoire qui est là, là. Ça veut dire qu'il n'est même pas papa ivoirien, même pas maman ivoirien, comme nous. Wallahi, ça veut dire qu'il est dansé comme les dansés là, les enfants de dansés qui sont chez nous là. Il est comme eux. Voilà pourquoi les dansés ne veulent pas quitter derrière eux, derrière lui, avec ce groupe là. Les dansés là, voici le but des dansés là, ils ne veulent rien savoir. Parce que dans leur tête là, si Alassane a fait un jour, eux aussi ils vont faire. Et aussi, ils vont faire ça à nos petits-enfants. Voici les buts des danseurs. Les danseurs que tu les vois, les groupes de Bitogo, qui ont les yeux fermés, qui ne veulent rien voir là. Voici les buts. Parce qu'Alassane est comme eux. Mais ce que je peux leur dire là, ce que je peux vous dire, Alassane est venu gâter vos marchés. Vous êtes sur toute la souffrance que nous, les Ivoiriens, on est là subie ici au dehors. À cause de Mossi Draman Ouattara. Tous nos frères qui sont tombés. Hein? Au début de la rébellion. Les petits coups d'État qui ont commencé depuis dans le temps de Bédier. Jusqu'à Bago, jusqu'à Fini, jusqu'à coup d'État de 2002 qui s'est passé. Jusqu'à maintenant. Nos parents qui sont tombés. Les enfants orphelins qui n'ont plus de papa. Ouma est décédé. Zarazara Ouma. Lui qui s'appelle Zarazara, son vrai nom c'est Gerasuba Ouma. Il est de Dabakara. Donc, je suis côté maman, je suis même parenté avec lui. Donc, tout lui, il est décédé pour laisser ses petits enfants. Peut-être aujourd'hui là même, son fils est grand, je le connais même. Je ne peux même plus le reconnaître. Donc, les gens sont tombés. Les Adams, les Bakis, les Kolo, les enfants de la Côte d'Ivoire sont tombés. Ils ont laissé les enfants derrière eux. Il y a d'autres même là. On les a assassinés avec leurs copines ensemble. Donc vous pensez que ceux qui sont tombés, les enfants de Cass, donc les nièces de Cass, quand on dit, moi je, quand vous entendez Cass, je parle de Cass, vous pensez que quoi? Quand vous entendez Bamba Kassim, quand vous entendez Bamba Leila, ça vous dit pas quelque chose? Donc vous pensez que moi, un jour là, vous les dansez là, moi je m'assois, vos enfants aussi va commander mon enfant. Hein? À cause de vous, on a perdu des gens, on a perdu des hommes, on a perdu nos tontons, on a perdu presque la moitié de nos familles. La moitié de nos familles, on les a perdues. On les a perdues. Moi, mes tontons, mes cousins, mes grands frères, c'était des guerriers. Et tous, ils sont presque tombés à cause d'Alassane Draman Ouattara. Donc, vous pensez que moi, si demain, moi, je n'ai pas expliqué l'histoire là à mes enfants. Et mes enfants vont accepter aussi pour suivre. Vous les dansez vos enfants. Mais vous avez menti. C'est pour cela que je dis qu'Alassane là, c'est votre marché. Vous les dansez là. Vous êtes ivoirien comme moi. Mais c'est votre marché. Alassane est là gâté. Wallahi bilay. C'est votre marché. Imagine la moitié de nos familles qui sont tombées. Hein? Il est tombé pour laisser ses enfants orphelins. Hein? Ses petits enfants. Donc, vous pensez que tout ça là, si vous ne vous ralliez pas, si vous pensez que vous allez suivre l'exemple d'Alassane, vous avez joué bidé. Pour Alassane, là, ça va se terminer bientôt. Il va quitter le pays. Lui, a son fantagbe. Moi, mes rêves ne mentent pas. Les rêves que j'ai fait depuis la fois passée, mes rêves ne mentent pas. Alassane va quitter le pays. Et puis, vous les dansez, vous à elle, nous. Vous que vos parents sont venus, on les a dit danser. On les a donné place pour s'asseoir.
Ils se sont assis. Ils vous ont accouché. Il y a d'autres même qui sont morts. Il y a d'autres qui n'ont jamais mis pied même là où ils sont quittés. Vous n'avez nulle part à aller si ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Vos parents sont décédés en Côte d'Ivoire. Si on s'en va vous déposer aujourd'hui en Guinée, dans quel village vos parents, quel village même là, vous ne connaissez pas. Atalo, Abola Dougoumi, là. Amoro, Bola Dougoumina. Atalo, Yere. Afache, Bola Dougoumina. Obeta, Blatoro, le Lanbalako, Afache, Burkinabé. Atalo. Mais Alassane, lui, il connaît. Lui connaît tout cela. Lui n'est pas comme vous. Mais c'est vous, vos marchés, il est là gâté. Donc imagine qu'on reçu à dégager Alassane. Vous à un nous maintenant. Est-ce que vous allez pouvoir vivre en Côte d'Ivoire? Vous les dansez. Vous les enfants de danser. Vous est-ce que vous allez pouvoir vivre en Côte d'Ivoire? Vous les enfants de danser, on a joué ensemble, on a grandi ensemble. Est-ce que vous allez pouvoir jouer en Côte d'Ivoire? Vous allez pouvoir nous regarder en face? Hein? Vous allez pouvoir nous regarder en face. Je vous dis toujours. Je vous ai toujours dit. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Parce que même, on pardonne tout. On pardonne tout. Mais il ne faut pas que... Ça dit, on va fermer un maniement coquet. Pour que la communauté internationale n'a qu'à nous aider à enlever ce diable-là chez nous. Nous, on lutte, on lutte, on lutte. Vous êtes là. Vous êtes là le suivre. Au moment où on va reçu maintenant à le dégager, vous allez vouloir venir vous rallier à nous. Mais ça, vous avez menti. Ce pardon-là, on ne va pas accepter. Donc, dès maintenant, qu'est-ce que vous devrez faire? Qu'est-ce que vous devrez faire? Revenez. Vous êtes Ivoirien, vous êtes né chez nous. Vous avez vos nombrils chez nous. Mais Alassane, lui, il est différent. Lui, c'est le règlement de compte de sa maman. Il est venu régler avec tous les Ivoiriens. Le fait que son père avait chassé sa maman avec ses 5 frères à cause de Nabintou Sissé. Il a juré qu'il va se venger. Et son Orokia Ouattara est très intelligent. Elle est très intelligente que Kandia Kamara. Pourquoi le poste que Kandia Kamara a, il ne donne pas ça à Orokia Ouattara? Il laisse Orokia Ouattara se faire baiser par ses... par ses amis présidents pour qu'elle puisse avoir de pain quotidien à nourrir ses enfants parce que son mari est décédé très tôt. Tout son temps là, tout ce, il dit qu'il travaillait dans BCAO, quoi. Woroki Awatara faisait la prostitution pour s'occuper de Nabintou Sissé et ses enfants. C'est moi, Leïla, qui vous parle. C'est moi, ce que je vous dis, ça c'est vrai, c'est la vérité pure. Il n'est même pas ses demi-frères, ses demi-sœurs. Omanda et Omandae, c'est son petit frère, comment il s'appelle là, le vilain là, Tchanikelan, photocopie. Ah non, on veut pas me soukere, vous voulez comment? Non, même à regarder ma photocopie à Durakan Fleke. Et c'est Ivoirien Durakan là. Il force même. Donc, ce que moi j'ai à vous dire, revenez sur cette terre. Revenez. Mais. Mes frères dansez, quittez derrière Ourou Faton. Venez, de la manière qu'on a accueilli vos parents, on est prêt pour vous accueillir comme ça, mais si la voix de la vérité, voilà. Nous, on n'est pas méchants, nous les peuples ivoiriens, on n'est pas méchants. Et puis, on est trop simple, et puis on a pitié. Mais ce diable est venu nous manipuler, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Donc, ce que moi, je fais tous les jours, c'est pour sensibiliser mes frères et sœurs, Djoula, surtout les danseurs. Parce que c'est les danseurs qui sont vraiment perdus. Selon moi, mes parents, ils rentrent dans mon inbox ici. Ça, c'est ce qu'ils me disent. Il y a des vieux villages même là. Un jour, je me suis trompée pour parler Djimini. Il y a un vieux Djimini qui est rentré dans mon inbox. Wallahi. Il dit parce qu'il ne comprend rien ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. C'est quand moi je parle en Djoula, lui il comprend un peu. Donc c'est pour vous dire, il m'a félicité. Donc c'est pour vous dire que les danses là, si vous ne quittez pas derrière Ourou Faton, le nouveau nom de Alassane Dramane Ouattara maintenant c'est Ourou Faton. Voilà. Maintenant, j'ai appris qu'il a mis Ahmed Bagayogo s'il écoute.
J'ai appris qu'il a mis à mettre Bagayogo si écoute. C'est pas comme ça que j'avais prévenu pour Soro Guillaume. Mm-hmm. J'avais prévenu pour Soro Guillaume comme ça. Tu vois. Maintenant, c'est Ahmed Bagayogo, il a mis si écoute. Mais Ahmed Bagayogo est ivoirien. Je n'aime pas Ahmed Bagayogo, mais il reste mon frère ivoirien. Hein? Donc, à cause de lui, Alassane Dramane Ouattara, à cause de toi, lui, ses bêtises, il va tuer tous les hommes ivoiriens. Hein? Il va tuer tous les hommes, surtout tous les hommes du Nord, Alassane. Donc, tu veux que nous, ça dit, tu ne veux pas que les gens du... Y a pas, tu veux pas que, tu veux pas voir un homme au Nord, quoi. Hein? Les femmes que tu es là, tuer les maris, tuer les enfants. Est-ce que tu penses à eux? Tu mets Ahmed Bagayogo aussi, écoute, c'est pourquoi? Hein? C'est pour essayer de le poro-poro aussi encore, comme si, comme façon que tu as poro-poro, tu as couronné, Soro Guillaume. Hein? C'est comme ça que tu veux faire. C'est comme ça aussi que tu veux faire. Mais c'est bien fait pour lui, Ahmed Bagayogo aussi. C'est bien fait. Lui-même, il est comme toi là-bas. Même truc de... bisexuel. Il est comme toi là-bas. Mais seulement ce qui me fait mal, il est ivoirien comme moi. Et puis, ce qui me fait encore plus mal, ce qui me fait encore plus mal, il est de Séguéla comme moi. Ce qui me fait encore plus mal, je connais même sa famille, c'est ça qui me fait plus mal. Mm-hmm. C'est ça qui me fait plus mal. Donc, tu t'imagines tous les jeunes du Nord qui sont lui, qui travaillent avec lui, pas fini, il faut qu'il colle un ticket si l'un de eux, et puis finit avec eux. C'est ça, Alassane Dramane Ouattara. À tabolé. Du la caméra d'un fait en fin, qu'elle a coïra, qu'elle a scène foyer, qu'elle a souya fait en fin. Ça dit, Abin Negane qui bla, elle a créé, il a coupé du là. Mais na ya ouri fato ya ouri la dron, quand il veut faire quelque chose, quand il sent que c'est pas quelque chose de bon comme affaire de troisième mandat. Affaire de troisième mandat, il a tout fait pour tuer Bon Koulibaly parce qu'il savait que Bon Koulibaly était ivoirien. Ah, ça, vous allez voir. Heureusement qu'il ne va même pas passer. Son troisième mandat là ne va pas passer et puis il va quitter. Heureusement. Sinon si ça passait là, il va faire son premier mandat de première république là. Pas fini là. Il peut même mettre Bitogo là-bas. Alors qu'il sait très bien que Bitogo n'est même pas ivoirien. Il est ivoirien de terre. Il est ivoirien seulement de terre, de terre de naissance. C'est tout. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Son père n'est pas ivoirien, sa mère n'est pas ivoirien. Ou il va tout faire pour mettre Kandja Kamara. Oh, c'est qu'on est mort. Mm-hmm. C'est qu'on est mort, mais si. Heureusement que Aya Fanga Ntenatini. Donc, comme Ntenatini, mes cousins dansaient. Moi, je suis quelqu'un. Moi, je suis trop sentimental. J'ai pitié. Je ne veux pas que Nama Faranunka, à l'heure où on est arrivé là, Nama Faranunka, Kabo Alassanko, Nala Santala, avec toi, connais. Ne venez pas dire que oh, non, on est ivoirien, on est né ici, on a grandi ici, on connaît nulle part, et puis il veut dire qu'on n'est pas ivoirien. N'attendez pas ça. N'attendez pas ça. Venez dès maintenant. Venez dès maintenant quitter derrière Alassane Dramane Ouattara. Personne n'a. Ça dit, mon chima son kake Alassane fait. C'est vous les danser. Sinon, nous, nos parents là. Voilà, nos parents là. Si vous rentrez dans le cœur de nos parents, si vous savez ce qui est le cœur de nos parents, le regret d'avoir accepté vos parents, le regret qui est dans leur cœur aujourd'hui, mes parents de Séguéla qui sont au village là-bas, mes parents qui sont. Qui m'appelle? C'est ma grande soeur qui m'appelle, je ne peux pas prendre maintenant. J'espère qu'elle ne me suit pas.
Allô, Coro? Allô, Coro, Tiena? N'sais, Coro? N'sais. Coro, n'y écrit le comme on occupe une belle dorma, n'y écrit y a ni dorma. Ok, je te rappelle. Ok. Oh, ok. N'y écrit y a ni dorma. Ok, y a la très noya. Ok. Mm-hmm. Maman. Maman. Hein, bébé? I'm very mad. Don't be mad. I'm coming, please. I'm coming. Do you need to gum? No. Okay. You will not try to. It's okay. I'm coming. Give me 20 minutes. Give me 20 minutes. Mm-hmm. Don't. Donc vous les dansez là, ne venez pas un jour pour nous dire que on est méchant, qu'on veut vous arracher vos droits de naissance. Si la terre ivoirienne, ne venez pas pour nous dire. Et je serai là ce jour là pour vous, je serai sur les mêmes réseaux sociaux là pour vous rafraîchir la mémoire que je vous avais prévenu. Que je vous de la manière que je dis toutes mes vidéos que j'avais prévenu Mes parents du Nord, ils ne m'ont pas écouté. J'avais prévenu. Je serai là aussi pour vous prévenir. J'ai pardonné mes parents du Nord, ceux qui m'ont incité sur les réseaux sociaux. Ceux qui ont fait des montages, si moi je les ai pardonnés. Aujourd'hui, je suis amie avec eux tous sans rancune. Mais vous, je ne vais pas vous pardonner. Je ne vais pas vous pardonner parce que je vous ai prévenu à plusieurs reprises. Je vous ai pardonné. Quand ton propre couteau te coupe, tu ramasses, tu me dis blabla non là, à Lara, parce qu'il te sait qu'Afrique. Mais, vous, je vais vous jeter des. Vous n'êtes pas mon propre couteau. Amira l'a fait les montages ici, si moi ici, là, tout. Je l'ai pardonné parce que c'est mon frère Koyaga, après tout. Mm-hmm. C'est pas affaire de racisme. C'est mon frère ivoirien. Je l'ai pardonné. Comment il s'appelle? C'est qui même? Je connais pas. C'est lui seul qui s'affichait. Je lui ai pardonné. Si c'est les saoulés de Paris, bien dans les groupes de Soro là. Je vous ai pardonné. Eux, ils sont mes frères. Mais vous, les dansés, les enfants de dansés, je ne vais pas vous pardonner. Et puis en plus encore, vous n'allez pas gagner place en Côte d'Ivoire. C'est ce que moi je suis là vous dire. Même si nous, on vous pardonne parce que vous parlez le même djoula que nous. Les gars là, est-ce qu'ils vont vous pardonner? Avec tous les souffrances. Je comprends pas bien français. Toute la souffrance que les gars ont vue. Si Alassane dégage, qu'un Ivoirien s'assoit au pays, et puis nous menons tous ensemble, peut-être nous, à cause de l'islam, nous on va vous pardonner peut-être. On va vous pardonner peut-être un peu en façon. Mais, vous pensez que les gars là, ils vont vous pardonner. Vous pensez que vous allez gagner encore les places. Parce que quand vous venez en Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement chez nous au Nord. Abedan. Quand vous vous asseyez chez nous au Nord, dans quelques temps, vous vous déplacez. Vous partez à Boaké. Boaké n'est pas Nord. Hein? Boaké ne fait pas partie du Nord. Boaké est centre. Anana, Boshibaoulou, on allait. Moi, je vous dis toujours, Boaké est centre. Le Nord commence à partir de Kachola. Kachola jusqu'à aller à Korogo, jusqu'à aller Dabakara, bon, tout ça là. Le Nord commence à partir de là. Vous allez vous lever, vous allez dire, Diatri, tiens, amena baranya fait donio. Nos parents aussi vont vous dire, ok, ayo fo, yobe sera do akoro. Ils vous aident même tout pour que la route soit facile. Vous partez. Avec ta barakayoro là, vous partez à Ganyewa, ou vous partez à Dokouem, ou vous partez vous asseoir à Daloa. C'est comme ça, ça a été toujours. Quand vous venez là, vous ne restez pas seulement chez nous. Hein. Ça dit, c'est comme si, quand il vient là, il s'assoit chez nous. On leur donne une place, ils s'assoient. Ils font leurs chants, ils font tout. Ils font leurs enfants, ils se marient, tout. Maintenant, ils laissent la femme là. Ils disent, il s'en va à Daloa pour aller se chercher. Donc, ça veut dire que les bases se trouvent chez nous. Mais eux-mêmes, ils s'en vont à Daloa, ils s'en vont à Ganyewa, ils s'en vont à San Pedro, ils s'en vont à Divo, ils s'en vont à whatever. Ils s'en vont partout pour aller s'asseoir. Et aussi, ils vont leur dire danser là-bas. Ils vont leur donner place.
ils vont faire des choses, ils vont construire là-bas, ils vont faire tout. C'est comme ça, il y a eu Djula de Daloa. Sinon, il n'y a pas Djula à Daloa. Il n'y a pas Djula à Daloa. Il n'y a pas Djula à Daloa, il n'y a pas Djula à Ganyoa. Il n'y a pas Djula aussi qui est, comment on appelle, à San Pedro. Il n'y a pas Djula de, comment on appelle, je ne connais pas bien les villages. Il n'y a pas Djula là-bas. Mais, quand vous regardez là, les gars là, les Boussoumani là, ils ne sont pas chez nous. Ils ne sont pas beaucoup chez nous, c'est ce que je dis tous les jours. C'est nos biens qui se trouvent. Anou ya naforo. Anya fem baragama ou lebe busumano ya diamanaka. Ou ya dougula. Ni tala daloa. Si tu vas à Daloa, tu as trouvé un djula et propriétaire de maison là-bas. Hein? Si tu vas à Ganyewa, tu as trouvé un djula et propriétaire même des minibus, compagnie de bus. Comme les Nifa Djabi et autres là. Voilà. Si tu vas à San Pedro, pareil. À Djivos, pareil. Saint-Fra. Partout, zone là, partout, les villages comment on appelle, des Gola. Tu vas trouver toutes sortes de Djula qui est propriétaire de toutes sortes de business. Silete, Daoukoro, même chose. Tu vas chez les Baoulé, même chose. Maintenant, chez nous au nord, est-ce que vous avez une fois vu? C'est rare que tu as voir un bété, il est propriétaire de maison à Korogo. Peut-être s'il marie une femme du Nord, bon, chez nous, les gens du Nord n'aiment pas donner leurs filles à les gars. Donc, ça fait que c'est rare. Donc, peut-être qu'il a une femme au Nord. Et voilà. Je ne suis pas raciste, mais c'est comme ça que j'ai grandi, j'ai trouvé que quand tu fais enfant avec un Boussoumani, les parents te dénigrent d'une manière, façon, donc jusqu'à il ne veut pas donner la fille, jusqu'à, tu vois. Donc c'est comme ça que moi j'ai vu. Mais j'ai toujours vu que les hommes du Nord ont toujours marié les filles gars. J'ai vu ça aussi beaucoup. Mais une femme Djula mariée, un gars bon, ça c'est fait, mais c'est pas nombreux, comme c'est pas, ils sont pas beaucoup. Yeah. Ça c'est fait de nos jours là, ça c'est fait, ça c'est fait, mais c'était pas avant. Donc ça fait que au nord là-bas, c'est rare que tu as trouvé Boussoumani est propriétaire de quelque chose. Si tu vois Boussoumani s'en va au nord là-bas, c'est parce que il a été mité là-bas, au cas affecté. On l'a envoyé, il va aller devenir, peut-être il était gendarme, il est sergent chef, il est adjudant chef, il est professeur. Il s'en va, il s'en fait ses trimestres là, et puis après ça, il rentre chez lui, à Daloa ou bien à Abidjan. Donc c'est pour cela, quand les gens disaient que les Djula n'ont qu'à se lever, aller tuer les... aller frapper les Boussoumani, les quoi, j'ai dit, mais ils sont chez eux. Si vous voulez marcher là, faire la campagne des ados, allez-y au nord, allez faire au nord. Mais s'ils disent qu'ils ne veulent pas que vous faites campagne de votre Wurufato chez eux, ils ont raison, ce sont chez eux. Moi, t'as les affaires. Mais allez-vous, et puis vous pensez que si vous ne vous ralliez pas, vous pensez qu'un jour, Quand Alassane va quitter là, vous pensez que de vous à nous, les gars vont vous pardonner. Il peut nous pardonner. Nous, ses frères ivoiriens. Il peut nous pardonner. Parce que nous, on a vite compris, Ado. Et puis, on s'est mis ensemble. Pour qu'il n'a qu'à quitter dans notre pays. Il est venu nous mettre en palabre. Il peut nous pardonner. Nous, les vrais ivoiriens de mer et de paix. Et de terre, en plus. Mais et vous les danser, vous pensez que les gars vont vous pardonner? Vous avez vu, Alassane a gâté vos marchés et puis tu vois, vous allez vous asseoir un jour pour dire que Leila avait parlé. Ça dit Alassane a tout foutu en l'air pour vous. Vous les danser là, Alassane a fini seulement avec vous. C'est pas avec nous. Nous les Boussoumani là, si ça chauffe là, nous on reste chez nous au nord, hein.
C'est une manière de parler. Si ça chauffe, on reste chez nous au nord. Si ça chauffe, on reste chez nous au nord, on reste chez nous au nord, au centre, c'est tout. Mais vous, vous allez partir où? Si on dit chacun n'a pas parti dans son village, et Abidjan est vide, les Hébriers prennent Abidjan, les Alagans prennent Abidjan. Vous les danser là, vous allez partir où? Vous allez partir où? Donc, quand je viens pour parler, moi je pense à tout ça là. Je dis, mais nous vous t'aimerez. Hein? Donc imagine, moi je suis venue ici aux États-Unis, j'ai accouché mes enfants ici, je suis américain sur papier, astafroulay, je viens examiner mon mari, on fait les enfants ici, et un jour on n'est plus là, on n'est jamais parti au pays avec nos enfants pour les montrer chez nous. Nos enfants entendent seulement parler en disant que non, mon papa venait de la Côte d'Ivoire, où ma maman venait de la Côte d'Ivoire. C'est tout. Ivory Coast, ça s'arrête là. C'est ce qu'ils connaissent. C'est ce qu'ils connaissent. Et puis un jour, on n'est plus là. Exemple, astafroulay, je ne souhaite pas. Je ne vais pas mourir maintenant. Moi, j'aime trop la vie. Allahu Akbar. Je ne vais pas mourir maintenant. Moi, j'aime trop la vie comme vous me voyez là. Là, il a. Voilà. J'aime trop la vie. Donc, moi et puis mon mari, on n'est plus de ce monde. Et puis, nos enfants s'élèvent maintenant. Ils sont seulement ici. C'est ici qu'ils connaissent. Ils ne connaissent nulle part. Tout ce qu'ils connaissent, c'est Ivory Coast. Et puis, et ils ne s'entendent pas avec les vrais enfants américains qui sont des pères et des mères américains. Hein? Et puis, exemple, il y a quelque chose qui se passe. Et puis, un peu comme pour Alassane, et ils n'aident pas. Et puis, au lieu de tout, l'onda d'encore quoi. Au lieu de tout, l'onda m'a content d'encore, un truc comme ça là. Hein? L'onda m'a foufrafou d'encore. Et puis, nous, l'onda tarotaralanié. Vous pensez que les enfants, les vrais enfants américains, des pères et des mères, vont avoir pitié de nos enfants? Hein? Ils vont leur montrer leur place. C'est une manière de parler. Ça ne va jamais se passer. Et moi, je ne vais pas mourir maintenant. Moi, j'aime trop la vie. Je ne vais même pas partir maintenant là-même. Je suis encore très jeune pour ça. Donc, tu t'imagines? Je dis ça pour que. Les danseurs qui m'insultent, si mon direct ici là, allez vous asseoir, réfléchissez un peu à Emiri. Vous avez tout en Côte d'Ivoire. Tout. Vous avez tout. Alassane Nana, à la cas de séjour, oui, à l'eau bamso, nanou bamso, le kassa. À la nana, à casser la transport comme il gagne. À l'eau corotio, nan corotio, nanou benotio, nan tantou. Anou le comme ça oyo. Anou le ba anya tonton, anou le France au revoir ni fait on taka blakata. En tonton on a un cousin on va gérer encore fait. Alou na nou le boke. Atase la au becan. Date la au kan. Au bel era ka micro pou chaya. I'm busy right now. No. Non, tonton, ça dit, on est avec un micro pour chaya. Parce qu'avant, on entendait enfant de la rue Côte d'Ivoire en tout au yéla. Mais à la centre, on a obéi là. Parce que, à nous même, exemple, on est en Amérique, si j'ai des parents au pays là-bas. Mais c'est qu'à France, on revoit une fin d'Otaka Blaye. Pour que, on est débrouillé, on est en train de faire au don de l'école là. Voilà, c'est exemple. Maintenant, quand c'est là au Kando, demain, c'est mieux un coiffeur, mieux un coiffeur, au lieu de quelque chose. Tu vois? Donc, ça dit, fais on fait maintenant, du là où il y a Herae, Alassane va c'est là au bête tout cas. Bon, vous n'avez pas de danser, vous dites que Alassane n'est qu'un. Hein? Alassane n'a qu'un micro pour créer poison. Poison les fans de Côte d'Ivoire, Bibina. Son gourmet, c'est nous
les petites filles de mon âge qui sont devenues les artistes, quoi, comédiens ou quoi. Obé, ni kaye, mi nono ni be, alasani afanga la morodo ou ladron. Si tu vois que quelqu'un, la personne qui a beaucoup assez à le à palais présidentiel, il va t'asseoir à cause de ya poison ko la. À cause de ya poison. Comme ça, Watao est mort. Vous pensez que Watao est mort comme ça? Vous pensez que Watao est mort comme ça? C'est comme ça Watao a été assassiné par une fille. Une fille. Par une fille qui était même proche de Watao. C'est comme ça Watao a été assassiné. Je n'ai pas les preuves, donc je ne vais pas dire le nom de quelqu'un. Je n'ai pas les preuves. Je n'ai pas les preuves sûres. Je sais que c'est vrai parce que la personne qui m'a dit, la personne ne peut pas mentir. Et la personne m'a montré beaucoup d'exemples qui font que je crois à 100%. Tu vois? À la santé, elle est là ou qu'elle est là. C'est comme ça Watao a perdu la vie. Et aujourd'hui, les enfants de Watao sont orphelins. Et j'avais prévenu ce Watao-là. Un jour, je suis partie, il avait posté les enfants, les photos de ses enfants. Moi, je pleurais encore la mort de Ibe. Je suis partie faire un grand commentaire en bas de son trou. Je lui ai dit que aujourd'hui tu te promènes avec tes enfants, tu es fier d'attraper tes enfants. On t'a dit que Ibe aussi, il ne rêvait pas aussi comme ça aussi de marcher avec ses enfants au bord de l'eau. Si bâton aussi. Il est rentré dans mon inbox. Watao. Il est rentré dans mon inbox. Il a dit bonsoir, madame. C'était bonjour, bon. J'ai eu peur, je l'ai bloqué en même temps. Je l'ai bloqué en même temps. Tu vois? Donc, je ne sais pas ce qu'il voulait me dire. Mais en tout cas, moi, en ce moment-là, je voyais tous comme l'ennemi de la Côte d'Ivoire. Tu vois? Donc, c'est pour vous dire que pour les danser là, Alassane s'en fout de vous. De la manière qu'il nous a utilisé là. C'est comme ça qu'il vous a utilisé aujourd'hui. Mais pour nous, ce qui fait pour nous, ce qui fait nous-mêmes, on est mieux, c'est nos pays. C'est nos pays de paix, de mer et de terre. Mais et vous? Et vous? Et vous? Vous êtes nés chez nous. Vous êtes ivoirien. Droit de terre. Mais il y a des choses que si ça chauffe là, on se préfère. Hein? Donc dès maintenant, réallier, c'est-à-dire, venez à nous quoi, c'est mieux. Si vous ne venez pas à nous, ni en cela qu'en Borola, moi si tienne, quand Wurufato, Allah Wakuba. Parce que même les Burkinabés même ne le veulent pas. Moi j'ai des amis Burkinabés ici, on cause tous les jours sur les réseaux, sur Facebook tous les jours. Autant là, ça ne fait. Alassane Mandio, eux-mêmes ils disent que d'entendre Alassane là, tout a changé au port. Parce qu'eux ils sont dans les affaires du port. Tout a changé au port, les choses sont devenues chères. Il ne peut plus travailler comme il doit travailler. Au lieu de faire Alassane faire les. Allez te faire qu'Alassane te remet. C'est eux-mêmes, ils m'ont bien confirmé, même bien. Que Alassane là c'est un Burkinabé. Tu vois? Que c'est un Burkinabé. Donc, c'est pour vous dire que... Et maintenant, on va parler un peu aussi de mon tuteur. Mon tuteur, c'est... Je n'ai même pas dit son nom. Mon tuteur, c'est le premier détracteur de Alassane Dramane Ouattara. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Quand je faisais les vidéos, je l'emmenais. Il partageait. Maintenant, il était... On parlait. Mais... Il fallait qu'on mette un titre sur la vidéo. On met un titre sur la vidéo pour que les gens de RDR, à cette époque-là, c'était RDR, pour que les gens de RDR ou bien si c'est quoi, viennent beaucoup sur. Donc, je faisais la vidéo, je ne montrais pas mon visage. Je lui donnais et puis il mettait la femme d'Ibrahima Koulibaly, réclame, nanana, comme ça. Aujourd'hui, moi, je suis surpris pour te voir Abidjan. Le problème, c'est parce que tu es mon frère ivoirien. Kandia Camara, quand j'ai dit son nom, quand Johnny Pacheco est parti à Abidjan, quand Kandia Camara a accueilli Johnny Pacheco, Kandia Camara a dit, Johnny Pacheco,
Johnny Pacheco. Je sais pas, les gens ne remarquent pas. Mais moi, j'ai un frère qui m'a rafraîchi la mémoire. Tu vois, imagine, quelqu'un te fatigue, quelqu'un te fatigue. Tu n'arrives pas à attraper la personne. Et puis, subitement, tu blagues la personne d'une manière, d'une autre, financièrement. Ou bien, il va n'y en a quoi d'okay. Et puis, il vient. Et puis, la personne vient maintenant dans ton filet. Et puis, tu dis à la personne, exemple, peut-être la personne s'appelle Awa ou je sais pas, Enza ou bien je sais pas. Et puis tu dis, Enza, ça veut dire Enza. Et puis ça veut dire, il dit pas un seul coup ton nom, hein. Elle dit Johnny Pacheco, ça veut dire Johnny Pacheco, c'est toi qui es là. Kandia Kamara, la Wakubaru. Mais tu sais, on dit koni danga be bo, j'ai un frère qui m'a dit ça. Ni danga be bo, ni danga be wuru ko, ça dit abe kababo akunguru la kwa. Parce que wuru te se ka kunchen. Bo abe to o kababa akunyi mi fois be ça. Ole Johnny Pacheco tai kwa. Mm-hmm. Ceux qui prend Johnny Pacheco comme exemple, Johnny Pacheco s'est rallié, il a compris. Kandia Kamara a dit Johnny Pacheco, ça veut dire Johnny Pacheco, c'est toi qui nous insultais. Mais ton sort arrive. C'est pas Kandia Kamara qui a fini à Bala Keita au Burkina, hein? La même chose qu'ils ont fait à Bala Keita. Je vais dire ça, peut-être ça va attirer l'attention de Johnny Pacheco, je ne sais pas. Mais la même chose que Johnny Pacheco a fait, c'est la même chose que Bala Keita a fait. C'est la même chose que Bala Keita a fait. J'étais amie avec sa fille au Mali, Kadi Keita. Toi, Bala Keita, tu t'es te couché au Burkina, dans tant de blesses, et puis tu critiques. Hein? Et puis tu critiques le groupe de Ouattara. Alors que tu es dans son village même. Burkina, tu es dans son village. Dans tant de blesses. Dans tant de blesses, tu joues seulement avec. Ah, faut pas m'appeler. Allô? Oui, bonjour. Ok, voilà. Ok, j'ai compris. Ok. Merci. Donc, voilà. On dit que par rapport à Johnny Pacheco, ni chez nous en Djoula, il y a un proverbe qui dit que quand la malédiction vient attraper le chien, Dieu fait sortir la gale sur la tête du chien. Parce que vous savez, le chien ne peut pas gratter sa tête là. Donc, c'est la gale là qui mange sa tête jusqu'à quand le chien meurt. Ça, c'est la malédiction pure que Dieu donne à les chiens. Donc, c'est un peu, c'est pour cela, c'est ce que je disais en Djoula que Ni danga be fe ka bla uruko. Jori abe jori bo akunhoro lali. La te se ka akunchien. Allô? Oui, bonjour maman. Maman, je peux te rappeler? Ok, tout à l'heure maman. Donc, ni tatian be fe ka wuru soro, jori le be bo akun wuru la, kaba be bo akun na. Et puis en plus, le nom de la maman de Alassane Dramane Ouattara, elle s'appelle Djeneba Ouattara. Voici son vrai nom. Je vous assure que ça, c'est le nom de sa maman. Sa maman s'appelle Djeneba Ouattara.
Le nom de la maman de Alassane Dramane Ouattara, notez-moi ça. Djeneba Ouattara, il ne peut pas nier. Il ne peut pas nier parce que on m'avait dit ça depuis fort longtemps, j'avais oublié. Yeah. J'avais oublié. Depuis toute petite même, j'avais oublié parce que moi, quand l'affaire là s'est passée, quand Alassane a trahi mes grands frères, mes tontons, donc ils ont commencé à nous expliquer comment l'histoire s'est passée, mais j'avais oublié. Donc j'ai quelqu'un de sûr, voilà, quelqu'un de proche même, qui m'a appelé tout dessus pour me rappeler le nom. Pour me rappeler le nom parce que j'avais oublié. J'avais oublié. Mais toujours je dis, je pense, j'oublie. Djeneba Ouattara, c'est ça, le nom de sa maman est Djeneba Ouattara. Donc, la même chose qui s'est passée à Bala Keïta. Bala Keïta, toi, tu es là dénigré. Les groupes de Alassane Dramane Ouattara. Et toi, au nom d'aller t'asseoir même au Mali même qui est ton pays d'origine, tu as même une école là-bas, tout ça là. Moi, je connais la famille de Bala Keïta. J'ai fait toute mon enfance au Mali. Voilà. J'ai fait toute mon enfance au Mali. Je connais presque toute sa famille. Je ne vais pas seulement dire ici. Il vient d'une grande famille au Mali. Mm-hmm. Je connais la famille de Bala Keïta, tout. Il a même une école là-bas au Mali. Et je connais sa fille, qui était ma copine. C'était une grande soeur à cette époque-là. Elle était un peu plus âgée que moi. Donc, Kadi Keïta. Celui qui connaît Bala Keïta, ils vont dire... Sa fille s'appelle, la dernière de ses enfants qu'il a fait avant de mourir s'appelle Kadi Keïta. Donc, Bala Keïta s'en va s'asseoir au Burkina et puis commence à critiquer les groupes des Ouattara là. En ce moment, les Ouattara, Alassane est là, toujours lutté à Ebédié pour pouvoir devenir président. Toi, tu t'en t'assois au Burkina pour les critiquer. Tu les insultes jusqu'à en Côte d'Ivoire, ils t'ont toléré jusqu'à, ils t'ont blagué, non. On m'a dit que c'était Bédié qui l'avait envoyé en mission au Burkina. Voilà. Donc, il a fini de faire mission là. Au lieu de rentrer, il reste là-bas comme c'était quelqu'un qui aimait beaucoup les femmes. Et puis qui boit beaucoup aussi. Donc, il s'assoit là-bas, il commence à faire la vie. Et puis, il commence aussi à les dénigrer. Mais ils n'ont pas joué avec lui. Ils n'ont même pas joué avec lui. Ils ont fait venir rapidement Kanya Kamara, qui est venu régler son compte. Rapidement, chap-chap, dans son hôtel. Tout le monde a vu. Seulement, en ce moment, Kanya Kamara, son nom n'était pas connu. C'est elle qui a fait. Tout le monde sait que c'est Kanya Kamara. Elle est partie rapidos, d'après les Monouchi. Rapidos. Comme Bala Keïta, c'était quelqu'un aussi, il aimait beaucoup les femmes. À ta fois, Moussou m'a concanti. Il a beaucoup d'enfants, jusqu'à quand il a même les enfants cavédiens. Voilà. Il a les enfants même cavédiens. Donc, quand Kanya Kamara est parti, gré avec Bala Keïta, quand il a fini de gré maintenant, elle a réglé son compte. Elle a réglé bien, bien son compte. Donc, Johnny Pacheco, j'ai peur à ta place. Mes grands frères, presque ma famille ont travaillé pour ce Moussi Dramane Ouattara. Wallahi, j'ai peur à ta place. Kanya Kamara t'a appelé Johnny Pacheco. Elle a tiré ton nom. Johnny Pacheco. Donc, ça veut dire que Johnny Pacheco, enfin, te voilà. C'est toi qui nous insultais. Toi, tu penses qu'ils vont t'arrêter comme ça pour te... Tu es go. Non. Tu penses que... Ça dit... Ils vont te mettre en prison. Non. Les yeux de tout le monde est sur eux. Mais si vous savez combien de personnes Alassane a tué pour être là où il est. Même le président Oufouet-Boigny, c'est Alassane qui est... J'ai ma tante qui m'a dit quelque chose. Et moi, je crois à ça. J'ai pas dit le nom de ma tante là. Mais dans le temps de Oufouet-Boigny, j'ai une tante. Son nom de famille,
C'est Bamba, je n'ai pas dit son nom même qui va être dessus. C'est le groupe d'Aïcha Kone là. Elle était députée, la première femme députée. Réfléchissez, peut-être vous allez trouver quelqu'un qui s'appelle Bamba Tan. Quand Oufoué est décédé, il y a longtemps, parce que moi je n'ai pas connu Oufoué. Je pense que c'est dans le temps de Bédié, oui. C'est elle-même qui m'a expliqué que c'était Oufoué qui était le président d'abord. Elle avait des photos avec Oufoué, elle avait tout. C'est elle qui a dit que quand Oufoué était malade, Oufoué est parti se soigner. Oufoué se portait très bien. Oufoué avait dit qu'il va rentrer tout. Il avait appelé, je ne sais pas comment, il avait dit. Mais ma tante m'a expliqué et moi je sais que ce que ma tante là me dit, que c'est vrai. De nos jours là, je n'ai même plus de ses nouvelles. Je pense que peut-être elle est décédée parce qu'elle est très vieille, je ne sais plus. Je ne sais plus, mais elle était première femme députée en Côte d'Ivoire. Dans le temps de Oufoué. Moi, je n'ai pas connu dans le temps de Oufoué. Mais elle nous a expliqué ça dans le temps de Bédié, comme ça là. Tout là. Elle aussi, elle détestait Alassane Ouattara à mort. Yeah. Donc, elle nous a dit, elle dit que même c'est Alassane Dramane Ouattara qui a tué Oufoué Wanyu. Que parce que depuis Oufoué est vivant, Alassane essayait de... Il est venu en Côte d'Ivoire pour être président même. Tout ce que Oufoué faisait là, non. Lui, il visait seulement la place. C'est pour cela Oufoué a changé tous les trucs de la constitution pour mettre Henri Konan Bédié comme premier ministre ou bien président de l'Assemblée, un truc comme ça. C'est ma tante qui nous a expliqué. Ah, t'es bon, Konan, non? Je me rappelle, en ce moment, j'ai fait CP2. J'avais 8 ans, un truc comme ça. Ma tante m'a dit que... Oui, j'avais 8 ans, un truc comme ça. Ma tante nous a dit que quand Oufoué était guéri, quand il est malade, on l'a amené, je pense qu'en Europe, pour le soigner. Et quand les médecins ont dit que ça va, il est bien portant, tout. Oufoué même a envoyé, a appelé les gens pour dire que lui va rentrer bientôt, que tout va être bien. Quand Alassane a appris ça, Alassane a pris le vol pour retrouver Oufoué là où Oufoué était hospitalisé, où il était hospitalisé, je sais pas. Je ne comprends pas bien français. Où dans le pays, je ne connais même pas le pays parce que ça fait longtemps. Moi, on imagine une petite fille de 8 ans ou 7 ans. Je me rappelle seulement que ma tante nous a expliqué ça. Elle détestait Alassane depuis à cette époque-là. Elle dit que Alassane a pris le vol. Alassane allait trouver Oufoué là où il était, à l'hôpital. Donc, c'est comme ça que dès qu'Alassane est arrivé là-bas, le vieux ne s'est plus senti mieux. Alassane est arrivé là-bas, je pense, 2 jours après ou bien lendemain, ils ont appelé pour dire que le vieux a chuté. Le vieux a chuté. C'est ma tante qui m'explique, hein, après la mort de Oufoué, quand Bédié était au pouvoir, moi je pensais que le président, le premier président, c'était Bédié, tout. Jusqu'en quand nous on était petits, on chantait chanson de Bédié. Quand on était petit, on chantait Bédié, Kwarima Bédié, Wariyerema Bédié. Donc, comme il avait changé l'argent, donc on chantait comme ça. Tu vois, donc c'est là maintenant, ma tante nous a expliqué, elle détestait tellement Alassane, je ne sais pas, mais elle était la première femme, elle a été la première femme députée dans le temps de Oufoué. Donc, elle nous a dit, elle dit qu'elle n'a jamais aimé Alassane. Que c'est Alassane qui allait assassiner Oufoué là où il était, en Europe, là où il était malade, là où il était à l'hôpital. Parce que quand Alassane est arrivé là-bas, quelques jours, où le vieux a chuté et Oufoué est mort. Et Oufoué est mort. Donc quand Oufoué est mort, elle a su directement parce que ma tante là, Dina Tomorole quoi. Ça fait que mémé n'a même pas pu faire enfant. Je pense qu'elle a eu un enfant seulement et puis, je sais pas. Donc, elle dit que dès qu'ils sont venus annoncer que Oufoué est décédé et que Alassane était parti voir Oufoué, elle a dit directement que hey, Alassane Kayabara, Ayabara, ça dit, il a reçu son travail. Elle a dit ça, elle a commencé à détester Alassane, elle a commencé à détester. Mais à cette époque-là, Alassane avait déjà fait lavement de cerveau à tous mes parents du Nord, les Maokwa, allez là, tu vas à Touba là. Les Maokas sont divisés. Allez là, les Wodineka sont divisés. Allez là, les Koyara sont divisés.
Alassane, ça dit c'est pas aujourd'hui il a commencé son travail. C'est pas aujourd'hui il a commencé cette boulot là. Mais tu sais, on est toujours pour le volet. Un jour pour le propriétaire. Tu vois. Il est resté dans ça jusqu'à tout s'est fait au dehors. Tu sais, avant là, nos parents ne réfléchissaient pas trop. Mais nous, de nos jours, moi-même que vous me voyez là, j'ai 10 000 cerveaux dans ma tête. Voilà. Dans mon cerveau là, ça fait croire quand tu me dis un mot là, je multiplie ça par combien. Ça dit, je réfléchis. Quand tu dis jeudi, ton jeudi là, tu n'as même pas encore fini. J'ai calculé déjà, je sais déjà. Quand je vois ta bouche remuer, je sais déjà ce qui veut sortir dans ta bouche. Donc, voilà pourquoi de nos jours là, nous on a découvert Alassane. On connaît tous ces mangas. Ce qu'il a fait à nos parents, il ne peut pas faire à nous. Il ne peut pas faire à nous. Donc, c'est pour cela que je demande à les danser là. Ralliez-vous. Aïe, ce qu'on fait. Frite Kodjougouyo. Tout le monde peut se tromper. Tout le monde se trompe. Mais, quand toi, tu te trompes et tu sais que tu t'es trompé et tu refuses de venir à la raison. Mais c'est ça qui est mauvais. Et nous, on va faire nos manimako pour dégager Alassane. Aloumibé à Kerefe. Il est là vous donner sardine à elle, les choses. Et puis vous êtes là à la piller pour qu'il s'assoit. Nous, on est là à lutter pour qu'Alassane puisse dégager, pour qu'on puisse trouver nos pays. Pour qu'on puisse s'entendre, s'asseoir. Se donner la main. Se réconcilier. Fait comme si y a rien. Et vous les dansez. Vous êtes là, qui n'a qu'à s'asseoir. Donc nous, on va se débrouiller, on va galérer, on va tout faire pour que Alassane quitte là. Et puis, c'est quand Alassane va quitter, vous allez venir nous demander pardon. Et puis nous, on va accepter. Ah, vous aussi. Vous aussi. Ça dit, comité Baïma, il y a qui m'a. Donc, c'est que moi, je peux vous dire là, revenez vite à ce qu'on fait. Dites non. Si vous aimez votre Alassane là, dites-lui non. Troisième mandat. Aya deuxième mandat que Wariba Alassane Bourou. C'est bye. Allez, n'a quoi avec ta bonne ta Australie Kassigi. Avec ta bonne ta Kassigi. Avec ta bonne sans Kassigi. Mais Aloumi ba Alassane avec sardine, bourou ni sardine ne dile Alouma. Et puis, Abako, Alassane ante bouyko, parce que vous êtes comme lui. Alassane Kamikana, avec tout ce qu'on a vu, donc vous pensez que si on dégage Alassane, vous, de vous à un nous, vous pensez, ça dit comment vous allez nous regarder et puis comment nous on va vous accepter, comment nous on va vous regarder aussi. Pour inviter tout ça là, moi je vous dis, revenez à la raison. Venez, quittez derrière Alassane Dramane Ouattara. Quand il n'était pas là, on était bien. Quand on n'était pas là, on était bien. On n'avait pas de problème. Vous à nous, on n'avait pas de problème. Donc, mettez dans vos têtes que quand Alassane n'était pas là, on n'avait pas de problème. Nous les Ivoiriens, on est gentils, on n'a pas de problème. Maintenant, Alassane est venu, vous faites comme si vous ne nous connaissez pas. Parce que c'est votre frère danser. Maintenant, si Alassane s'en va, vous pensez que nous, on va vous regarder, mais on est maudit ou bien. Même si on dit qu'il ne voit rien, il ne voit rien. C'est le nom, hein, sous nos voix claires. C'est le nom, sous nos voix claires. Donc, c'est pour vous dire que revenez sur cette terre. Quittez derrière Moussi Dramane Ouattara, Wurufato, c'est son nouveau nom, Wurufato. Quittez derrière Wurufato, chien galé. Quittez derrière chien galé. Lui, il est déjà galé. Il a déjà les gales partout sur son corps et en plus, les gales sont sur sa tête. Tu sais, on dit que quand la malédiction est derrière quelqu'un, Dieu envoie un ange pour fermer ses yeux. Pour fermer son oreille, un peu comme pour Pharaon, jusqu'à il chute. C'est ce qui va arriver à Alassane Dramane Ouattara. Mais vous ne voyez pas. Il est parti. Le petit président de la France, la président Macron, l'a même pas reçu. Même son Fantagbe là, même, elle s'est dit qu'elle est française là. Les,
les palais présidentiels français l'a pas reçu. Elle était obligée d'attendre à la salle à quelque part, dans un café, quoi, quoi, quoi. Amiral même a fait capture d'écran de ça pour mettre... pour mettre sur les réseaux sociaux. Non. C'est comme si elle se cachait. Ils ont pris pour... C'est comme si elle se cachait. Donc, c'est pour vous dire que Alassane Dramane Ouattara là, sa fin est déjà arrivée. Mm-hmm. Tous nos frères, nos tontons, nos papas qui sont tombés, toutes nos familles qui sont tombées. Donc vous pensez que nous, on va arrêter Alassane Dramane Ouattara dans ça, il n'a qu'à continuer à tuer les gens. Hein? Il n'a qu'à continuer à tuer les gens. C'est quel pouvoir on ne critique pas. Hmm? Lui, à son temps, là, la marque est pleine comme ça. Il y a beaucoup des orphelins comme ça qui n'ont pas de papa. Les papas se trouvent à la marque. Il y a d'autres même, ils sont malades. J'ai vu une vidéo, l'un des pro-babos qu'ils ont captés, les militaires des babos qu'ils ont pris pour le mettre à la marque. Ses testicules sont devenus gros comme ça. Il attrape ses testicules pour marcher à ça. On ne veut pas le soigner. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux la fois passée. J'ai fermé les yeux, j'ai coulé l'âme. Il dit ça, c'est l'être humain. Et puis, il a chaîne encore au pied. Je ne sais pas si c'est un vieux vidéo, mais c'est un Ivoirien. Il parlait, il montrait. Il prend ses excuses comme ça, comme ballon. Il monte à les gens. Dans le temps de Ouattara, tout ça, là, il est là fait à nos frères. Hein? Dans tout ça, là, nous, on voit ça. Et puis, vous, les Slim fait là, vous dites que nous, on a... Même si tous les Ivoiriens vont mourir, on ne va pas vouloir d'Alassane Dramane Ouattara. Mais on ne va même pas mourir même. C'est lui qui va mourir. C'est lui. Son temps est arrivé. Vous allez voir. Donc, je demande à tous mes parents de la Côte d'Ivoire. Tous mes parents qui se trouvent à Abidjan. Allez-y, faites votre maourdi. Achetez du riz. Achetez beaucoup de choses. L'huile. Gombo. Tout ce que vous pouvez... Gombo, on peut trouver au village. Kimagi. Beaucoup de sacs de riz. Tout ce qu'on peut trouver en ville, là, achetez sa pâté à Essa à Séguéla. Achetez sa pâté à Essa à Dabakara. Allez faire stock. Allez réserver beaucoup de choses parce que c'est la fin de Ouattara qui est arrivée. Je demande à tous mes parents qui se trouvent à Abidjan, qu'aux Ivoiriennes de mère et de père, et de terre, comme moi et vous, achetez du riz, prenez sac de riz. Dans le mois d'octobre, commencez à dégager d'Abidjan. Allez-y vous, allez au village. Laissez Abidjan dans la main des politiciens. Laissez Abidjan dans la main des politiciens. Je demande à les innocents, mes parents. C'est pour cela que je vous demande toujours... On n'a qu'à se lever, se mettre ensemble comme un seul homme pour chasser Alassane Dramane Ouattara. Parce que nous, on veut la paix dans notre pays. Moi, je veux rentrer mon pays un jour. Voilà. Moi, je veux rentrer mon pays un jour. Mon pays me manque. Mon pays me manque. Pour qui n'a qu'à quitter. Et un jour, le pays va être... Bien, ça va être pour nous, on va se réconcilier, tout ce qui s'est passé, on va oublier, on va faire le show, et puis la vie continue. Tu vois? Donc, c'était ça, mon direct d'aujourd'hui. C'était ça, quoi. C'était pour sensibiliser mes parents du Nord, et puis parler un peu aussi de Tchekourouni. On dit, il y a deux Tchekourouni même au pays là-bas, je ne sais pas c'est desquels j'ai parlé. On dit Sorogium est là, on dit Johnny Pacheco est là. J'ai deux Tchekourouni au pays là-bas, mais je ne parle pas de Sorogium. Je ne parle pas de Sorogium. Je ne suis pas pro-Soro, hein, mais je ne parle pas de Sorogium. Je parle de Tchekourouni et Johnny Pacheco aujourd'hui là. Je parle de Johnny Pacheco aujourd'hui. Sorogium, mi balé quand il est. Ce qui est derrière lui-même là, on ne peut même pas parler. On ne peut même pas parler sur lui. Fonyam balé, Kovi. Ça dit, tant elle est allée pour là, elle est comme moi. Voilà.
Donc, si il m'a écouté, et puis au début, ça allait être bien pour lui, tu vois. Il pouvait frapper rapidement, même un coup d'état rapidement là pour chasser Alassane Dramane Ouattara. Mais, il ne m'écoutait pas. Voilà. Donc, s'il m'avait écouté depuis au moment où je disais, c'est Soro Guillaume, fais attention. Soro Guillaume, où on appelait Tenik Banani. Tenik Banani, on dit quoi? Il était qui chantait même. Je pense que c'est Fitini, le créateur, qui chantait ça. On dit, mais l'enfant là est puissant. Il est resté dans ça. Il est devenu, il est maintenant président de l'Assemblée nationale. Dun, dun, dun. En ce moment, moi je faisais ma vidéo, moi on m'insultait partout. Tu vois? Donc, pour aujourd'hui là, je ne parle pas de Soro Guillaume, je parle de Tchakouni, Johnny Pacheco. Parce que je ne peux pas parler de Soro Guillaume. Lui, il me fait trop pitié, quoi. C'est... Il me fait trop pitié. Mais, ça l'apprendra. Ça l'apprendra. Ni veut Djamfadinga tige, il va tige fla. Yeah. Soro Guillaume, moi, je n'ai rien contre toi, hein. Parce que c'est qui ici, toi, là, même, là. Voilà. C'est plus, ça, c'est plus que pour moi. Si moi, je rajoute pour moi dessus, mais ça que tu as t'assassiné. Tu as te suicidé. Dans ce qui est si toi-même là, tu me fais pitié seulement. C'est tout. C'est tout. C'est pour dire qu'on ne trace pas. Faut, le diable ne connaît pas l'amitié. Si tu veux, il faut servir le diable. Si tu veux, il faut tuer ton papa et ta maman derrière le diable. Quand moi, je vous dis, mais tonton, on travaillait quoi à la salle? Mes tontons, mes grands frères, mes cousins ont travaillé pour Alassane. Wallahi, depuis, ils n'étaient même pas Alassane. Alassane Maïbetoy, il ne va pas laisser quelqu'un d'autre. Alassane Maïbetoy, il ne va pas laisser quelqu'un d'autre. Ça, c'est ce que je disais toujours. Alassane, si Alassane n'a pas... Alassane pouvait tout faire. Mais il pouvait au moins même écarter Ibé. Même faire en sorte que même qu'il soit soit exilé à quelque part là-bas, là même là. Mais si Alassane n'a pas fait ça, il ne va pas laisser quelqu'un d'autre. C'est pour cela, toi, Ahmed Barayogo. Toi, tout ce que tu as fait, tous les participations que tu as fait à la mort d'Ibé, tu vas payer ça, Ahmed. Tu vas payer ça, mais ce qui va me faire mal. Tu vas payer ça, mais c'est parce que tu es mon frère ivoirien. Quand je réfléchis encore, c'est des hommes du Nord encore. C'est un homme, ça dit, c'est l'un de mes frères du Nord encore qui va tomber encore, laisser encore ses enfants orphelins. C'est ça, quand je pense à ça, ça me fait encore plus mal. Ça me fait encore... Je veux que vous tous ceux qui ont participé à la mort de Ibé, tous ceux qui ont participé à la mort de Ibé, je veux qu'eux tous payent. Je voulais qu'eux tous payent. Et tous payent. Mais, quand je suis allée me coucher, quand je me couche, je réfléchis. Je dis, mais Alassane a manipulé beaucoup de gens. Ce que je pense, c'est ce que je vous dis, hein. C'est que j'ai laissé le bon Dieu va faire par l'âme de Ibé. Je dis, mais c'est moi, je... Attends. Soro Guillaume. Comment elle s'appelle? Amadou Soumaourou. Amadou Bongoulibaly. Quoi? Les groupes de chefs rebelles, là. Les shérifs Ousmane, les Zakaria Kone, le menteur, la Tchekoumba. Il dit que lui, il était au Burkina, lui dormait à EIB, lui dormait dans le même chambre à EIB. Hein? Toi qui préparais dans la cuisine là-bas, là, tu faisais tes soumara la fri. Quand vous quittez à Farakoro, tu faisais soumara la fri là. Que lui dormait sur le même lit comme ça avec EIB. À Ouaga 2000 là-bas. Koutou. C'est pas tout, on dit. Donc, tout cela, c'est Dieu qui est là vous frapper pour tout ce que vous avez fait à Ibé. Alassane, vous est... Alassane, je sais que c'est Alassane qui vous est manipulé.
Je sais que c'est à la femme qui vous est tous manipulé. Sinon, Soro, toi, tu ne pouvais pas parler devant Ibé. En plus, faut raison. Tu ne pouvais pas parler devant Ibé. Tu ne pouvais même pas. Quand ton père était décédé, Ibé t'a aidé. C'était ton grand. Tu vois, c'était ton grand, il t'a aidé. Même aujourd'hui, vous pensez qu'il est devenu vos bêtes noires. Parmi vous tous, vous pensez qu'il n'a pas fait quelque chose de bien à quelque part pour vous. C'est pour cela qu'on dit dans la vie là. Il ne faut jamais, jamais, jamais signer le pacte avec le diable. L'amitié des diables, lui, il ne connaît pas. Il regarde seulement son intérêt. Il regarde seulement son intérêt. Allô? Laisse-moi tranquille. Oui, tu veux quoi? J'ai commencé avec le sourire parce que quand je réfléchis aussi, ça me fait mal. Ça me fait mal aussi. Mais mon rôle, la meilleure vidéo là, mais j'ai toujours, moi j'ai essayé de rester toujours sur ma parole, hein. Je ne suis pas pro Soro. Je sais, non, non, moi je ne parle pas de, au moment où je parle de, par rapport à la rébellion. Et moi, mes parents qui sont tombés par rapport à la rébellion. Les cas, c'est tout ça là. Voilà. Non, non, c'est de ça que je suis là pensée parce que c'est par là que ça a commencé. C'est par là que ça a commencé. Moi, je n'ai pas oublié ça. Sinon, tu penses que j'ai même si les réseaux sociaux comme ça commencent à parler comme ça. Ni ben Jamfadinga tigeba tigefla. Les gens que vous avez assassinés. Aujourd'hui, voici ce qu'Alassane te fait faire. Il te prive de ton pays. Il te prive de ton pays. Il a changé la constitution du pays. Si tes yeux, tu avais confiance à lui parce que tu te disais que tu t'es sacrifié pour lui. Tu t'es sacrifié, donner tes frères, faire couler le sang de tes frères à cause de quelqu'un. Aujourd'hui, c'est la personne qui te m'amène. Qui dit que, oh, où est-ce que toi tu as enlevé l'argent pour construire une maison en Côte d'Ivoire? Où est-ce que toi tu as enlevé l'argent pour construire en Côte d'Ivoire? Il est malade de dire ça ou bien. Donc, tu étais président de l'Assemblée nationale. Donc, un président de l'Assemblée nationale n'a pas les moyens pour se faire une maison. Pour se construire une maison. Donc, c'est pour dire que prochainement, là, quand un beau Aryen étranger va s'asseoir, va venir se mettre au milieu de nous, là, vous n'allez pas le croire. Parce que Ivoirien aime trop les étrangers. Ivoirien aime étrangers même que lui-même. Mais je pense que Nan débrouillera qu'Alassane Boy. Quand Alassane va quitter là, chacun va connaître sa place. Et puis je pense que ça va permettre, nous les Ivoiriens, on va plus s'aimer. Façon que les Rwandais s'aiment aujourd'hui là. On va s'aimer comme ça. Donc c'était ma vidéo d'aujourd'hui. On m'a appelé pour dire que faut pas que j'ai parlé de Soro. Je ne parle pas de Soro. Mais j'ai toujours prévenu Soro. Depuis en 2000. Depuis 2011, non, bien 2000. Non, non. 2013. Moi, j'ai commencé à dire à Soro. J'ai dit Soro, j'ai commencé à régler, à voulu régler les comptes, la mort de mes parents avec Alassane. J'ai commencé à crier haut et fort sur les réseaux sociaux. En disant que même si Ibé était le diable, c'est pas comme ça qu'on doit l'oublier. Au moins, le jour de sa mort, on doit lui faire au moins un hommage. Comme façon que les Américains font pour Martin Luther King ici. C'est tout ce que moi j'ai dit. C'est ce que je disais. Et dans ça, j'ai trouvé les ennemis partout. C'est là que j'ai commencé à prévenir Soro. J'ai commencé à dire que
Même Soro, avec mon vilain français, il a dit même Soro, aujourd'hui, il est là faire monter Soro, aujourd'hui, il est président de l'Assemblée. Ne soyez pas surpris qu'un jour, Soro même là, à la fin, le met encore à la place de Ibé. De façon qu'il dit que Ibé était devenu la bête noire de la Côte d'Ivoire. C'est la même chose. Il ne faut pas que Soro, c'est la vidéo, allez ici YouTube. Allez ici YouTube et puis tapez Leila Bamba ou bien tapez, regardez les pages de Johnny Pacheco. Les trucs de Johnny Pacheco. Mais ma première vidéo, en ce moment même là, si tu me vois, j'étais mince comme ça, je ne ressemblais à rien même. J'étais mince comme ça, petit. Je fais la vidéo, souvent je suis en voiture même. Je fais la vidéo. J'ai prévenu. Tout ce qui arrive, moi j'ai prévenu. Voilà. J'ai prévenu. Donc, je ne change pas ma bouche. Je ne suis pas pro-Soro. Je suis pro-Côte d'Ivoire. C'est ce que je suis pro-Côte d'Ivoire. Donc, celui qui paie, dégager Alassane Dramane Ouattara dans mon pays. C'est ce que je veux. Et moi, je sais, si mon Ibé était là, Ibrahima Koulibaly, s'il était là, mais les bêtises qu'on voit là, les bêtises qu'on voit là, ça me fait là. Mais depuis qu'il a fait sauter, parce que lui, c'est un homme. Lui, c'est un homme. Un homme là, un homme, c'est sa parole. Quand on dit un homme là, c'est sa parole. Il veut ça ou bien il veut barreau. Il est tout comme un con. Voilà. Donc c'est pour cela que j'ai mal. Parce que moi je sais que si Ibé était là, tout ce que les Ivoiriens, tout ce qu'on a vécu là, tout ce que, ça dit cette souffrance qu'on est là fait aujourd'hui, tous les jours on est sur les réseaux sociaux, tous les jours on est sur les réseaux sociaux. Lui il ne prévient pas. Il ne prévient pas. Il sait sur quoi il compte. Il ne prévient pas. Il se lève seulement là. Quand il voit que son pays est en danger, on ne sait même pas d'où il quitte. Lui, il était prêt pour son pays et Alassane. Il était prêt pour son pays et Alassane a arraché sa vie. Et il a passé par tous ses petits. Il a manipulé les solos. Comment qu'on a fait? Avez-vous? Moi, je vais parler. Non. Moi, je n'ai pas de pro-parti. Hein? Moi, je suis désolée, je n'ai pas de pro-parti. Je n'ai pas de parti. Je n'ai pas de parti. Pour la réconciliation, je peux pardonner. Je sais que c'est Alassane qui a manipulé Solo. Moi, je sais. Mais, je ne peux pas. Ça dit, tu ne peux pas faire les omelettes sans casser les œufs. Tu ne peux pas parler de la mort de Ibé. La mort de Ibé a commencé depuis pendant la rébellion. Où tous ceux qui étaient pour Ibé a été assassinés froidement. Moi-même, mes parents. Voilà. Tous les jeunes du Nord qui étaient pro-Ibé, on les a mis dans le conteneur. Nous, on était au Mali, on attendait. Voilà. C'est même si on dit, les gens ont menti. Cassez où aujourd'hui? Yeah. Donc, je n'insulte pas Soro, hein. Comprenez-moi les pros Soro. On dit, on va se mettre ensemble pour que Alassane Dramane Ouattara quitte dans notre... Mes frères me font pitié tellement que je me dis, mais le monsieur là, ça dit, il était venu uniquement, ça dit, pour tuer toutes les Ivoiriens. Donc, c'est pour cela... Que tu sois Bété, Baoulin, Djoula. Que tu sois n'importe quelle personnalité de la Côte d'Ivoire. Mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble. Alassane va quitter ce pays-là. Troisième mandat, là, ça ne va pas passer. Wallah et Bilay, ça ne va pas passer. Alassane va partir. Et puis son Fantagbe, là. Mes frères vont le gré. Bien même là. J'ai vu dans le rêve. Voilà, j'ai vu les petits jeunes garçons, les jeunes couraient derrière Fantagbe. Le rêve là même, est si mes yeux comme ça. Les petits garçons couraient derrière Fantagbe comme ça. Elle courait pour aller vers l'eau. Et il y avait un avion qui était
qui était venue la chercher. Donc, on va greffer Fantagbel. Attends.